Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Halloween. Un tutoriel à réaliser cette magnifique pumpkin. Alors pumpkin en anglais ça veut dire citrouille. Voilà. Alors là plus c'est imparfait pour la fin et mieux c'est. Donc vous l'avez dans ce modèle très très grande. Vous pouvez aussi en faire dans un tout petit format, c'est super joli aussi. Moi je vous recommande d'en faire beaucoup dans des tailles différentes. Je vais vous indiquer comment vous pouvez les faire en tailles différentes. C'est super simple, alors c'est le même patron pour les deux. Sauf que là j'ai doublé le fil. C'est fait un fil double, là c'est fait un fil simple. C'est le même crochet numéro 4, c'est bluffant. Hein. On dirait pas, mais oui, c'est le même crochet numéro 4. Soit un fil double, soit un fil simple, et pas le même point, je vous indique tout ça. Pour le même patron, je vous donne la marche à suivre. Vous allez pouvoir réaliser vous aussi pour Halloween. C'est citrouille très très rapidement, même si je poste la vidéo un peu juste. Vous aurez le temps, c'est sûr, d'en faire pour demain soir. Donc vous aurez besoin, soit vous voulez les faire exactement de la même couleur que moi. Alors celle-ci, la grosse, a été faite en mélangeant ces deux fils. Alors du fil acheté à la Forfouille. Ça c'est le coloris 02. Non, 20, pardon. Et ça, c'est le coloris 6. Coloris 6. Coloris 20. Je l'ai prise aussi en grise. Je la trouve super jolie. J'avais envie de faire la queue de la citrouille d'une couleur plus foncée. Ou la citrouille carrément plus foncée. Donc, vous allez prendre la grise du même fournisseur. C'est la Géométal. Et c'est le coloris 18. Voilà. Je vous recommande d'en acheter avec une pelote. Là, pour faire la grosse, il m'a fallu une et demie. Donc, c'est-à-dire une et demie, ça fait deux pelotes. Comptez large, quoi. Comptez quatre pelotes comme ça, si vous voulez faire cette grosse-là. C'est pas qu'elle prenne trop de fil, mais bon, quand même, il faut, pour respecter le patron, il faut vraiment du fil. Si vous voulez faire les petites, voilà, vous en faites au moins deux dans une pelote. Donc, c'est économique. Alors, il vous faudra un bombin sur le fil de votre choix. Moi, je vais la faire ce coup-ci. Je vais la faire. Alors, dans ces deux couleurs, ou peut-être dans ces deux. Moi, je sais pas trop. C'est deux ou c'est deux. Bon, je vais la faire en doré. Voilà. Alors, là, la mienne est écrasée, comme vous voyez. Je l'ai voulu un peu plate pour faire justement des effets différents. Donc, vous allez pouvoir, avec la même technique, faire des citrouilles avec des effets différents. Je vous indiquerai comment il faut faire ça, comment vous allez y arriver. Tout dépend le rembourrage que vous mettez dedans et tout dépend la façon dont vous allez serrer le fil ici, tous les fils que vous mettez ici. Donc c'est super facile en fait, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ah ça, moi je trouve ça splendide. Si, pareil, pour toutes celles qui veulent se faire un peu d'argent pour les fins de mois, vous pouvez tout à fait les vendre. Et pas que pour Halloween, hein, ça fait une très jolie décoration de table. Je vais vous faire dans les jours qui vont suivre aussi la corne. Ou un petit panier, ou une petite corne d'abondance où vous pourrez les mettre dedans pour décorer aussi, c'est très joli. Donc pour démarrer, donc vous aurez besoin d'un crochet numéro 4 hein, du fil de votre choix. Donc là je vais faire sur deux couleurs et je vais faire le petit modèle. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un marqueur de point pour la petite. Voilà, pour la grosse, non, il n'y a pas besoin, mais un marqueur de point est nécessaire pour celle-ci, celle-là. L'aiguille à tricot aussi, elle est importante pour ce tutoriel, donc prenez-la, même si vous n'avez pas ça, prenez vraiment la plus grande que vous ayez. Alors, je suis en train de chercher une autre pour vous montrer. Voilà, si vous en avez une en métal plus longue, comme celle-ci, c'est encore mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc,
Alors, je viens de fermer mon cercle magique par une maille coulée. Donc, dans ce même point, je vais faire de nouveau une maille serrée et encore une. Et ça me fera deux mailles serrées. Je marque le premier point qui est ici. Et dans chaque point, dans chaque maille, je vais faire deux mailles serrées. Donc, au total, vous devez avoir 10 mailles serrées fois 2, vous devez avoir 20 mailles serrées. Donc, premier rang, on a le cercle magique 10 mailles serrées, deuxième 20 mailles serrées. Voilà. Et on se retrouve quand j'ai fini tout le rang. Je viens de finir le rang, j'ai bien mes 20 mailles serrées. Donc là, troisième rang, je vais faire une maille serrée dans le premier point. Ici. Alors, je marque toujours le premier point et là je fais une augmentation dans le point qui suivant. Donc une maille serrée dans le point suivant, une maille serrée plus une maille serrée, ça me fait l'augmentation. Dans le point d'après, une maille serrée individuelle. Dans l'autre point suivant, une maille serrée plus une maille serrée pour l'augmentation. Et on va faire ça tout le tour. Donc, une maille serrée individuelle. Dans le point d'après, une maille serrée, puis encore une autre maille serrée. Une maille serrée. Dans le point d'après, une augmentation. Tout le rang. Et vous devez obtenir je ne l'ai pas noté, mais normalement c'est 30. Si je me trompe, je vous l'indique dès que j'ai fini le rang. Alors, je finis le rang avec 29 mailles serrées. Et je ferme le rang en commençant de nouveau par une maille serrée. Donc, j'ai fini avec 29 mailles serrées, pas 30. Et là, j'entame le 1, 2, 3, quatrième rang. Alors là, comme vous pouvez constater, puisqu'on a fait le rang d'augmentation, ça fait des trous dans le début du bas de la citrouille, mais c'est pas grave, ça. À la fin, on va pouvoir tricher, le fermer pour qu'on ne voit pas le rembourrage. Donc, quatrième rang, maintenant je vais faire. Alors, super facile. Alors, deux mailles serrées. Là, j'ai fait ma première. Individuelle, une deuxième et une augmentation. Deux mailles serrées, une et deux. Et une augmentation dans le point d'après. Alors, deux mailles serrées individuelles, une. Deuxième dans le point d'après. Et une augmentation. Donc, c'est une maille serrée. Plus encore une maille serrée dans le même point. Deux mailles serrées individuelles, une, deux, et une augmentation dans le point d'après. Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors, je viens de finir mon quatrième rang et j'ai au total 40 mailles serrées. Donc, cinquième rang. Alors, je vais faire ma première maille serrée, une. Et là, je vais faire donc 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Alors, je vous montre. Première maille serrée, celle-là, vous la comptez. Une. Deuxième maille serrée individuelle. Troisième maille serrée. Et là, à la quatrième, vous faites votre augmentation. Donc, une maille serrée plus encore une maille serrée dans le même point.
je recommence une maille serrée individuelle, deux mailles serrées dans le point d'après, trois mailles serrées, et dans le quatrième point, vous faites une maille serrée plus une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, je viens de finir le cinquième rang et j'ai donc 50 mailles serrées tout autour. Vous voyez, la citrouille est en train de grandir. Donc maintenant, je vais entamer le sixième rang. Et là, vous allez faire, donc je fais ma première maille serrée. Voilà la première. Et je vais faire donc 4 mailles serrées individuelles. Donc je compte celle-là, 1, 2, 3 et 4. Et au cinquième point, je fais mon augmentation. Donc une maille serrée et plus une maille serrée. Donc 5. Pardon, qu'est-ce que je raconte? 4 mailles serrées, pardon, et une augmentation. Allez, on recommence une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Et au cinquième point, une augmentation. Une maille serrée et une autre dans le même point. Vous allez répéter cette séquence jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Je viens de finir le sixième rang. Alors comme vous le voyez, ça gondole un peu, c'est normal. Et j'ai fini avec 58 mailles serrées. Alors je ne sais pas si je ne me suis pas trompée. Alors normalement, de mémoire, ça doit vous faire le premier rang ici, le maille serrée. 10 mailles serrées, le deuxième, puisqu'on double à chaque point, 20. Le troisième, vous devez obtenir 30. Le quatrième, alors le deuxième, non, le troisième, 30. Le quatrième, ah, je me mélange avec les sommes. Où je suis, où je suis. Donc, je récapitule. J'ai certainement fait une erreur, il me manque certainement un point, mais c'est pas grave, vous ne faites pas comme moi. Alors, premier rang, vous devez avoir, dans le premier rang, c'est le cercle magique, 10 mailles serrées, le deuxième, 20, troisième, 30, quatrième, vous devez avoir 40, cinquième, vous devez avoir 50, et le dernier ici, le sixième, vous devez avoir 60 mailles serrées et pas 58 comme moi, donc ne vous trompez pas. Et là maintenant c'est facile, on va rajouter 6 rangs de plus sans aucune augmentation. Donc au total, à partir de là, donc vous allez compter comme ceci. Ici ça ne compte pas, c'est le... Hop. Voilà, ici on ne compte pas, on compte le premier rang à partir de là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et ici là, ça compte, c'est-à-dire que là, ici... Là, ça compte comme le sixième rang. Donc, vous allez faire 6 rangs de plus. On se retrouve pour le rang des diminutions qui va nous permettre de finir cette partie-là. Donc, j'ai oublié de vous dire au début du tutoriel, il vous faudra bien sûr de la ouate de rembourrage pour les remplir, les donner la forme de la citrouille. Donc, je vous dis au sixième rang de plus. Donc 12e rang, on se retrouve. Au total 12e rang. Je viens de finir le 12e rang et comme vous voyez, ça fait un résultat assez gros. On croirait pas. Voilà, on croirait pas. Ça, et on dirait que vraiment c'est pas celle-là et pourtant oui. Donc là maintenant, c'est au 12e rang, au 13e rang, ça va être un rang de diminution. Nous avons 6 rangs qui vont suivre qui sont des rangs de diminution. Et donc c'est très très facile, on va tout faire en sens inverse. Donc là je vais faire ma première maille serrée, je vais la marquer et je vais faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Donc ma première maille, 1, ma deuxième individuelle, troisième, quatrième. Et à la cinquième, je fais ma diminution.
Donc, pour faire une diminution, c'est facile. Alors, soit vous allez le faire de cette façon. Donc, vous piquez dans le point suivant, le cinquième point. Vous ramenez le fil vers vous et vous ne finissez pas la maille serrée. Et vous allez recommencer la même opération dans le point d'après. Voilà. Et vous avez trois boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous ramenez le jeté dans ces trois boucles. Et là, vous venez d'enlever un point. Donc ça, c'est la façon la plus simple. Maintenant, on va continuer 4 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, de nouveau, je vais faire ma diminution. Alors, soit je la fais comme un... Soit vous allez la faire comme je viens de vous montrer, soit... Pour les plus perfectionnistes, vous allez aussi pouvoir la faire comme ceci. Donc vous allez rentrer votre crochet dans un seul brin de devant. Puis, puis vous allez aller dans l'autre brin de la maille d'après. Donc vous avez trois brins sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous ramenez votre fil à travers ces trois boucles. Alors là, j'ai pas réussi, je recommence. Donc alors, soit vous faites ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous passez votre crochet dans un brin, vous faites un jeté et vous le ramenez sur votre crochet, vous allez dans le point d'après, vous récupérez un brin, vous faites un jeté, vous ramenez le fil dans ce brin, ça vous fait toujours trois boucles. Et là, vous passez le fil dans ces trois boucles. Voilà. Alors, les débutants, notamment, des fois, se trompent ici parce qu'elles ne savent pas où le point est fini. Donc là, on le voit assez bien. Donc, le prochain est ici. Donc, vous allez continuer. De nouveau, 4 mailles individuelles. 1, 2, 3. 4. Et là, soit vous faites la diminution de la façon dont je vous ai montré la première ou la deuxième, ou encore celle-ci. Donc, point d'après au cinquième de nouveau, je prends le premier brin. Alors, il y en a qui font comme ça. Vous prenez le premier brin, vous allez prendre le brin suivant. Ah. Non, j'ai dû... Non, c'est comme je vous ai montré là, je me suis trompée, pardon. Donc vous prenez un brin, vous ramenez le fil, vous prenez le brin du point suivant, vous ramenez le fil, et vous ramenez le fil dans les trois. Et vous continuez. 4 mailles serrées uniques. 1, 2, 3 et 4. Alors si vous faites... si vous choisissez la dernière méthode que je viens de vous montrer... C'est une façon de faire les diminutions de façon invisible. Si vous faites la première, c'est un peu plus grossier, on le voit davantage. Mais bon, pour un amigurumi entre nous, moi je pense qu'il ne faut pas être trop pointilleux. Moi je le ferai aussi bien comme ça qu'invisible. Bon voilà, là vous l'avez la première, elle est là. Ça fait un tout petit nœud. Et l'autre, c'est vrai qu'on ne la voit absolument pas. Bon, c'est à vous de voir. Donc par contre, moi, il ne faut pas que je me trompe. Là, j'en suis à 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais faire ma diminution. Donc, mettons, je vais la faire de façon basique. 1 et 2. Voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet. Là, je fais un jeté. Je ramène le fil dans les 3 boucles. Et vous allez continuer. Donc, 4 mailles uniques. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et de nouveau, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Alors, vous allez faire ça, bien sûr. Vous allez répéter cette séquence tout le tour et on se retrouve à la fin de ce 13e rang.
2, 3 et 4. C'est ce qui va donner en fait ces diminutions, la forme de la citrouille. Et une diminution. Et en fait, vous allez vous retrouver donc avec le même nombre de points qu'au quatrième rang, c'est-à-dire... non, au troisième rang. Alors, je dirais... 50. Je pense que là, à la fin, vous avez 50 points. Je vais le vérifier quand même pour pas dire de bêtises. Donc c'est pas comme au quatrième rang, mais c'est comme au troisième rang. 1, 2, 3 et 4. La diminution. Les 4 mailles serrées. 1, individuelle, 2, 3 et 4. Et une diminution. Et 4, il doit vous rester forcément vos 2 points à la fin. Et là, ben, vous allez faire votre dernière diminution. Donc, soit avec un seul brin comme je suis en train de faire, soit avec les deux. Voilà. Et là, au total, vous allez avoir... Alors, je compte pour vous vite fait. Voilà, 50, je ne m'étais pas trompée, vous avez 50 points au total. Donc là, maintenant, pour le 14e rang, vous allez faire donc 3 mailles serrées individuelles, une diminution, pour avoir à la fin 40 mailles serrées. Alors, comme tout à l'heure, on fait la première maille serrée du premier point. Ah, j'ai vu ce qui tire. Oups. Ma première maille serrée. Je marque toujours cette première maille. Et là, je vais en faire 3. Une diminution. Donc là, c'est la première. 1. On n'oublie pas de la compter. 2. 2. Et 3. Et une diminution. 1 et 2. Voilà, soit vous la faites comme ça, soit vous prenez l'autre technique de diminution point visible. Donc, un brin, deux brins, et j'ai 3 points sur le crochet. Je fais un jeté et je ramène au final les 3 boucles. Et de nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution et vous allez répéter ça tout le tour, tout le rang, et au total vous devez finir avec 40 mailles serrées. Voilà, je vais finir ça en caméra et je vous retrouve à la fin du rang. Pour finir le 14e rang, je vais attaquer le 15e et j'ai bien, il doit vous rester 40 mailles serrées. Alors, 15e rang maintenant, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution. Et vous devez avoir au final 30 mailles serrées. Alors j'ai déjà fait ma première maille serrée, donc maintenant je vais faire 2 mailles serrées. Individuel comme tout à l'heure, 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Aïe.
Oups, je le refais de façon invisible. Donc je prends un brin, je fais passer mon fil dedans, un brin, je fais passer mon fil dedans et je le fais passer dans les trois boucles du crochet. Donc là, il faut pas se tromper. Regardez bien, là c'est pris, donc je vais ici. Donc 2 mailles serrées, c'est pour ça qu'il faut que vous comptiez absolument vos points à la fin du rang. Une. Allez, 2 mailles serrées, une diminution, pareil. Je prends un seul brin. Allez, 2 mailles serrées, une individuelle, 2. Et une diminution. Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Il va vous rester 30 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang d'après. Alors j'ai fini le 15e rang, je suis à 30 mailles serrées. Donc je vais faire maintenant le 16e rang et là vous allez faire alors une maille serrée individuelle, une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution, une maille serrée, une diminution, et vous devez obtenir à la fin 20 mailles serrées. Donc on est parti. Et vous avez vu, vous devez obtenir ceci. Alors c'est déformé, c'est normal, hein. On est parti d'un hexagone, donc c'est ce qui va donner d'ailleurs la forme pour la citrouille. Donc je commence ma première maille serrée. Voilà, on n'oublie pas de marquer ce premier point. Et là, c'est très simple. Alors, on va voir la fermeture qui va rester là quand on va obtenir nos 20 mailles serrées. Si c'est encore trop grand, on va refaire un rang de diminution. Si ça va, je vais m'arrêter là et je vais fermer avec. Je vais rembourrer et vous montrer comment je fais après la queue de la citrouille. Voilà. Donc là maintenant, une maille serrée. Maintenant, je vais faire une diminution. Donc pour cet avant-dernier rang ou voire dernier rang, là, je vous conseille de faire les diminutions le plus simplement du monde. Voilà. Ah, c'est mon chat qui va passer. Voilà, bonjour Carnac. Excusez-moi. Voilà, ça y est, mon chat est passé. Alors, une maille serrée individuelle. On continue. Une diminution. Dans 1, 2. Je fais un jeté et je passe. Je suis dans les trois boucles de nouveau. Une maille serrée individuelle. Hop. Une diminution. Et je vais continuer comme cela hors caméra. Voilà, une maille serrée jusqu'à ce que j'ai fini tout le rang. Et vous devez obtenir 20 mailles serrées. Alors, je viens de finir le 16e rang. Me concernant, je vais m'arrêter et je vais rembourrer pour avoir un effet différent de celle-ci où j'avais fait. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Ah non, je m'étais arrêtée au 16e rang aussi. Donc, je vais m'arrêter là. Vous pouvez décider de faire encore un rang de diminution. Donc là, il me reste 20 points. Donc vous pouvez faire une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et après, faire la terminaison que je vais vous montrer. Bon. Je vais vous montrer, on peut fermer un peu plus ici. Alors, je vais fermer un peu plus. Alors, avant de fermer un peu plus, c'est-à-dire de faire d'autres diminutions,
soit vous commencez à rembourrer maintenant, soit vous finissez. Donc on peut faire comme ça, on va finir encore un rang de diminution et après on va rembourrer. Et là aussi il va falloir rembourrer vraiment délicatement. Enfin, délicatement, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir trop en mettre non plus, parce que sinon ça va être très très galère après pour faire la forme. Ça va dépendre de l'effet que vous voulez aussi. Donc là je fais une maille serrée, c'est le dernier rang, 17e rang. Donc là je vais faire une maille serrée et une diminution. Hop. Une maille serrée, une diminution. Vous avez vu, c'est facile ça à faire. Hein, une maille serrée, une diminution. Et on se retrouve quand j'ai fini. Alors, il vous reste 14 points en faisant une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. 14 points. J'ai pas fait plus petit parce qu'après, ça va être vraiment trop galère pour rembourrer, etc. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Vous enlevez votre marqueur de points et vous allez faire une maille coulée sur votre première maille serrée ici. C'est-à-dire là, je fais une maille coulée. Voilà, un jeté et je ferme et j'arrête la citrouille dans cette couleur. Voilà, je tire et c'est fini. Après, voilà ce qui va, vous allez obtenir ce rendu. Alors, des petits tips, des petites recommandations. Vous voulez la même. Vous allez vous servir de ce même modèle et vous la voulez plus grosse. Vous allez faire, au lieu de faire des mailles serrées, vous allez faire des demi-brides. De toute façon, je vous referai un tutoriel avec les demi-brides. Je vais poster celui-là rapidement pour que vous l'ayez vite. Donc, vous allez faire la même technique avec des demi-brides pour faire la même avec un crochet 4 plus grande avec un seul fil. Pour faire celle-ci, vous allez prendre deux fils, crochet 4 et vous allez faire des brides simples. La même méthode, la même. Voilà, là je vais prendre de la ouate pour rembourrer. Alors vous rembourrez, vous la répartissez bien partout. Alors si vous la voulez dans une forme moins aplatie que celle-là, ben vous allez rembourrer plus haut et puis vous allez moins serrer comme j'ai fait moi là. Par exemple, comme ça. Vous voyez, vous rembourrez, vous poussez avec les doigts du milieu sur le bord pour que ça soit bien réparti. Alors, vaut mieux faire petit à petit que faire trop d'un coup et après ça c'est pas bon et ça va pas. Comme ça vous allez gérer la tension qu'il y a dedans aussi, la tension du rembourrage. Parce que comme je vous disais, hein, plus ça va être tendu là et plus ça va être un peu difficile après de la fermer. Hein. Donc pour le résultat, c'est suivant le rembourrage, c'est suivant comment vous allez serrer ici le fil de la fin. Donc là on la termine avec la queue et après à la fin on fera cette méthode là pour faire les tranches de la citrouille. Donc elle se fait en trois étapes cette petite pumpkin. Voilà, moi je vais encore la rembourrer parce que je pense que c'est encore ok. Oups. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. À vous rembourrez moins et vous serrez moins et vous avez celle-ci. Alors moi je vais m'arrêter là. Pour moi ça me suffit. Je vais en mettre encore un peu au milieu. Voilà. Voilà, pour moi c'est ok. J'arrête là.
Donc j'ai ce résultat qui est plus gros que ce que j'avais même avant de faire ça. Maintenant je vais prendre mon fil foncé pour faire la queue de la citrouille. Donc vous allez prendre un fil, votre crochet et vous allez vous accrocher où vous voulez, dans n'importe quelle maille serrée d'ici. Alors, je recommence. Vous faites une boucle et vous passez la boucle là. Ici, vous allez faire un nœud dont le fil doit arriver de ce côté. Alors, vous serrez bien votre nœud. Moi, je fais un double à chaque fois. Voilà. Le fil de là, on va le rentrer. Et là, vous allez faire tout le tour en maille serrée. Tout simple. Hein. Donc, vous allez avoir 14 points si vous faites exactement comme moi. Donc, c'est parti. Voilà, je ne vais pas mettre de marqueur de points puisque on voit très bien où est mon premier point. Vous allez voir, ça fait un super résultat. Alors là, j'ai le nœud, je vais sauter ce point parce que ça ne me plaît pas. Comme je vous disais, si le résultat est pas... Il faut faire comme la nature, hein, c'est-à-dire s'il va y avoir des défauts. C'est la même chose que pour... les différentes variétés. De citrouille. Bon, le premier rang est un peu... Il faut un peu de patience parce qu'il n'est pas super... agréable à faire parce que c'est un peu serré, mais ça se fait. Et le résultat en vaut la peine dans tous les cas, donc avec un peu de patience, ça va. Donc dans chaque point, une maille serrée. Voilà, j'ai bientôt fini. Donc on va aller serrer ce point, le dernier point avec le premier, par une maille coulée. Donc là j'en refais un pour que ça fasse joli. Donc là, je fais une maille coulée dans la première maille serrée là pour que ça soit aligné. Et au même endroit, je vais faire une maille serrée de nouveau. Non, une maille en l'air, pardon. Une maille en l'air. Et je continue le deuxième rang. Je refais un deuxième rang de maille serrée sans aucune augmentation ni diminution. Et vous allez marquer maintenant avec votre marqueur de points ce point. Cette maille en l'air qui sert de maille serrée. Voilà, et vous allez continuer tout le rang de maille serrée. Aïe, aïe, aïe. Donc vous continuez tout le rang de maille serrée. Et après, on va au troisième rang de... On va faire des diminutions. Voilà, deuxième rang. Et là, après, vous allez faire suivant votre créativité. C'est-à-dire, vous allez soit faire la queue plus longue ou pas longue ou plus grosse comme la grosse ici. C'est-à-dire que les diminutions, je les ai faites vraiment à la fin. C'est suivant votre créativité.
Voilà, dernier. Aïeux. Et là, je vais sur mon premier point qui est là, commencer mon troisième rang. Et là, alors là, je vais faire des diminutions. Je vais faire deux mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, deux mailles serrées, une diminution. Là aussi, je vous recommande de faire une diminution simple. Faites le plus facile pour vous. Il faut que ça reste un plaisir de faire ça. Il ne faut pas que ça devienne un travail laborieux. Allez, deux mailles serrées, une, deux, une diminution. Allez, deux mailles serrées, une diminution. Si vous la voulez plus petite, directement vous faites une maille serrée, une diminution. Ça va dépendre, voilà, le rendu. Alors, une diminution ici. Et deux mailles serrées. 1 et 2. Alors, soit je fais le prochain rang, soit je fais une maille serrée sur une maille serrée. Voilà. Et ça va vous faire ça. Soit je fais de nouveau un rang de diminution. Alors, je vais encore faire un rang de diminution. Donc, je fais ma première maille serrée. Moi, je fais toujours les diminutions après, j'aime pas les faire de suite. Ça me va mieux. Et là, ben, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée. Une diminution. Allez, une maille serrée. Une diminution. Et une maille serrée et une diminution. On fait ça jusqu'à la fin. J'arrive à la fin de mon rang. Là, je vais refaire un dernier rang sans aucune diminution. Puis après, je vais aller fermer tout le rang avec, le fil et une aiguille. Donc là, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est suivant mon goût. Hein. C'est vous qui voyez après. Une maille serrée. Ce qui va faire joli, c'est qu'on va commencer à donner la forme, en fait. Hein. Là, la forme, elle n'y est pas. Voilà. Voilà, il ne manque plus que deux points et c'est fini. Voilà, encore une maille serrée. Et là, je vais après fermer. Donc, je la fais. Voilà, j'enlève mon marqueur de point et je vais faire ma maille coulée dans le premier point.
et je vais fermer voilà comme ceci. Je laisse du fil assez grand pour coudre. Et là maintenant c'est très simple, il reste un tout petit trou ici. Je vais prendre mon aiguille et je vais fermer comme je le fais pour les amigurumi. Là c'est les finitions. Donc je prends un brin à chaque fois de l'intérieur. Je ne prends pas les deux, un brin de brin en brin. Je prends les brins de l'intérieur à chaque fois pour que ça soit fermé de façon totalement invisible. Voilà. Et une fois que je suis bien passée dans tous les points, hop, dans tous les brins, je vais tirer le fil, là ça y est j'y suis. Voilà, vous tirez bien le fil comme ceci et ça se voit plus du tout. C'est la même astuce que pour les amigurumi. Alors là je vais faire un nœud que je vais rentrer après pour le cacher dans les points qui sont assez ouverts. Voilà mon nœud, je vais tirer le fil par là. Et on ne le verra plus. Alors après, à vous de donner la forme que vous souhaitez. Mais ça, on va pouvoir le faire. Elle va se faire toute seule quand on fera les tranches, là, vous allez voir. Donc là, je coupe le fil à ras. Bon, je pourrais le cacher un peu plus. Mais là, j'ai pas envie. Donc, maintenant, je reprends du fil doré, comme la couleur de la... Et là, vous allez voir la magie de la méthode. Là, vous allez prendre un fil quand même assez grand. D'ailleurs, je vais changer mon aiguille. Je vais prendre une plus grosse. Voilà, là, je prends une aiguille avec un gros champ. Alors, vous allez prendre assez de fil. Hein. Vous allez prendre vraiment beaucoup, beaucoup de fil. Bon, si jamais vous en avez pas assez, c'est ce qui m'est arrivé, moi, pour la grosse citrouille. Il y a toujours moyen hein, de récupérer, c'est pas un problème. Et là, maintenant, voilà, vous allez vous situer, vous allez vous placer ici. Je vais zoomer, vous verrez mieux. Voilà, vous allez vous placer ici. Hop. Alors, on essaie de ne pas tirer le rembourrage avec, si on peut. Ce fil-là, vous allez le laisser là. Et là, maintenant, vous allez vous mettre au milieu du cercle, là où on a bien fermé. Et on va appuyer et passer ici. Alors, dans n'importe quel des trous, là. Oui, oui, oui. Alors, vous appuyez comme cela avec les mains et normalement, ça doit vous aider à passer. Alors, moi, celle-ci, je l'ai tellement rembourrée que ça me freine un peu. Oups. Voilà, vous y allez doucement afin de ne pas remonter trop de rembourrage. Hein, et vous tirez. Alors, je dézoome un peu parce que trop près, c'est pas super. Voilà. Là, ce fil-là, on ne le touche absolument pas. Vous allez revenir. Alors, vous allez décider par exemple ici. Et vous revenez. Là, le fil, c'est juste le fil pour stopper après. On repasse au centre. Et là, on va aller se placer. Alors, de nouveau au même endroit où j'ai passé le fil la première fois. Normalement, ça doit se faire assez facilement, ça, ce côté. Hein. Voilà. Alors là, armez-vous de patience parce que c'est ce qui va faire le rendu. Qui va faire joli. Et là maintenant, vous n'avez plus qu'à tirer. Donc vous allez tenir ici et vous allez tirer. Voilà, si vous voulez qu'elle soit très
Alors la mienne là, celle-ci, je la veux un peu plus haute que l'autre, donc je vais tirer. Et vous allez placer le rembourrage de façon à ce que ce soit la forme se fasse, hein, comme ceci. Donc après, là le premier, il est fait, donc le fil là, je ne vais pas refaire deux fois la même tranche, je vais aller me placer, oui bon je peux le faire. Si vous allez le faire, vous allez être obligé pour ce côté. Donc là maintenant je vais me placer ailleurs pour faire le deuxième tranche. Alors la petite, moi j'ai fait 2, 4, 6, 8, 9 tranches, mais vous pouvez en faire 5, là je vais en faire un peu moins. Vous voyez, vous regardez ce qui rend joli. Alors si vous n'arrivez pas, vous allez quiche, écraser là. Écraser, écraser, appuyer. Ouh, des fois c'est un peu dur. Hein. Ah, c'est le plus pénible à faire en fait, c'est ça. Voilà, ça y est, c'est bon. Hop. Alors la forme, voilà, la forme elle va se faire. Vous allez pouvoir la commencer ici. Alors là, je vais en mettre une ici. Alors, vous inquiétez pas, vous pourrez passer d'autres une fois de plus ou deux si vous voulez faire d'autres tranches. Donc faites le tour déjà, vous voyez ce que ça vous donne comme résultat. Et après, voilà. Moi je veux vraiment qu'elle soit plus haute celle-ci. C'est ça qui est génial dans ces... C'est qu'on peut créer ce qu'on veut en fait. Voilà, je tire bien. Et je repasse au milieu, de nouveau. Pareil. Je vais aller me chercher un autre endroit. Voilà, et ça fait encore un aspect différent. Donc c'est bien qu'elles soient différentes vos citrouilles. Il ne faut pas les faire toutes pareilles parce que la nature ne fait pas les citrouilles pareilles. Donc de nouveau, je continue la même étape. Hein. Voilà, je vais aller là. Après, au bout d'un moment, comme on prend le coup, ça va beaucoup mieux. À faire, c'est plus facile. Pareil, moi je veux que la tranche soit par là. Hop. Et vous tirez. Vous voyez, moi je joue avec le rembourrage pour la hauteur, pour la forme. Après ça aussi, vous pourrez tordre un peu plus, voilà, la queue comme cela. Vous pouvez même mettre un fil pour la tenir. Ou je vais vous montrer aussi, il y a autre chose de très joli à faire. Là de nouveau, moi j'ai pas assez, je vais refaire une tranche ici. Hop. Donc là par contre, je vais aller me caler quasi au même endroit. Au même endroit d'ailleurs. Voilà. Et je tire. Voilà, là je vais aller en refaire une ici. Donc je vais toujours au milieu. Je vais ici, pardon, j'étais sortie du champ, moi. J'étais sortie. Alors. Ouh. Voilà, ça y est. Ouf, j'ai réussi à passer. Ah, c'est Koh-Lanta des fois, le tricot. Là, je vais refaire une tranche. Et je me cale au même endroit. Et je serre, et voilà, et pour moi ça va. Pour moi, ma citrouille elle est magnifique, elle me plaît. C'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire, c'est le même, hein,
le même modèle que ça, mais regardez, suivant comment vous placez votre embourrage. Comment vous écrasez. Là, j'en avais mis moins du rembourrage pour faire une plate. Regardez, vous changez la couleur du fil, c'est plus les mêmes. La queue est pas la même couleur, c'est plus les mêmes. C'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup, moi, ça. Voilà, je serre un peu plus. Alors, si vous voulez tirer un peu plus, vous voulez serrer un peu plus ici. Moi, je vais serrer un peu plus ce fil-là. Donc, je m'arrange pour me caler. On profite pour que les finitions soient bien faites. Voilà. Et on y est, au moins que ce soit bien fait. Et celle-là, je vais la serrer un peu plus. Et après, je vais arrêter le fil et j'ai fini cette citrouille. Voilà. Là, une fois qu'elle est bien, bien formée, alors je vais vous repasser le fil au même endroit. Voilà. Et l'arrêt, vous allez le faire dessus. Donc, vous faites un nœud. Un nœud simple comme ceci. Et celui-là, vous allez le passer dans n'importe quelle partie de la citrouille. Voilà, vous essayez de, en poussant, voilà, de ne pas faire sortir le rembourrage. C'est ça le plus délicat. Voilà. Donc là, je l'ai fait un peu sortir. Là, je la re-rentre. Voilà, vous la passez dans plusieurs points et ça va arrêter le fil. Je tire. Je fais pareil pour ce fil du début, vous rappelez. Celui-là, c'est pareil, on le laisse tel qu'il est. On le prend. Et on va le rentrer pareil. Hein, et on va faire ce qu'on peut là, parce que c'est quand même... Voilà, c'est quand même bien rembourré. C'est pas facile à passer les billes, mais on y arrive. Voilà, une fois, c'est totalement invisible. Maintenant, je repasse. Là, je ne fais pas de nœud, hein. Je vais passer plusieurs fois. Dans un sens, dans un autre. Je vais perdre le fil dans le rembourrage. Et voilà, la citrouille est finie. Regardez. Alors ça, vous pouvez le tordre un peu avec vos doigts. Et regardez, j'ai acheté du raffia. J'ai acheté du raffia. Alors moi, je m'en sers pour les paquets cadeaux. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un fil ou deux et vous allez entourer soit ici et vous faites un nœud, soit vous l'entourez comme ceci. Alors normalement, on ne la fait pas sur celles-ci, sont trop petites. Vous prenez les grosses et vous allez faire un nœud ici avec le raffia. Ça, c'est vous qui voyez. Je l'ai vu aussi, les Anglais, beaucoup font les citrouilles avec des bouts de bois qu'ils mettent dedans. Voilà, le tutoriel est fini. Alors, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, c'est le même modèle. Dans les prochaines vidéos, je vous sortirai celle-ci. Donc, pour Halloween, je me dépêche de vous sortir ces citrouilles plus la toile d'araignée. Et le chapeau de sorcière sortira demain. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu pour m'encourager. Partagez avec toutes celles que vous aimez. Et laissez-moi un commentaire si ça me fait toujours plaisir de vous lire. Prenez soin de vous. Bye bye.